Donc, une autre journée de pêche aujourd'hui, en espérant qu'elle soit aussi bonne que celle d'hier. Ça va être une journée incroyable, probablement la plus belle de l'année. J'ai été chercher mon dîner, mon lunch. Non, non, c'est les ménés. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle journée. Puis, encore une fois, bon, on y va avec le beau-frère, puis Phil. Puis, peut-être que Phil va attraper un brochet de 20 livres cette fois-là. Donc. Vas-tu nous attraper un gros brochet aujourd'hui? Ouais. Combien de livres, là? Hier, c'était 8, le 10. 10 aujourd'hui? Bon, c'est bon. Hey, un matin, il n'a pas resté fait. Quoi? Il était chercher une pesée dans le garage, puis il est allé le peser chez son grand-père pour être sûr qu'il avait 8 livres. Ouais, mais là, il était gelé, il pesait bien plus, là. Il pesait comment, matin? 12 livres? Ce matin, on est 4 pêcheurs. Donc, ça fait 20 lignes à courir. Donc, on court vraiment grand ce matin. Un petit fouet. Ah oui. Au grand plaisante au lieu de maiser. Hey, ça riait de moi. Une tente pour la pêche. Il dit, ça se monte dans 60 secondes. Tu vas déplier ça. Brouh, ça. Qu'est-ce qu'il a fait de ton père, Félix? Hein? Il a fait quoi? Tabarnak, j'ai collé, ça se monte pas 60 secondes. Tabarnak. Un quoi? Un mangeur de queue. Ah oui? OK. C'est bizarre quand tu dis ça, le Phil, là. Là? Un mangeur de queue. Hein? Je cite sa queue. Et jaune est plus grosse, la tache. Okay. Vraiment plus grosse. Et ici, il y a des petites taches noires, mais les jaunes, c'est tout en lignée noire. Fait qu'on sait que c'est un noir. Fait qu'on peut le garder. Ouais. Yeah! Tape là. Ah ouais. Ton père qui part faire caca dans le bois. Ça a l'air apprécié parce qu'il a pris le ski doux. Ah, ça doit être dégueulasse aller faire caca dans le bois. Hein. Les fesses à l'air au froid. Ah. C'est bien mieux se torcher avec un foulard. Ça. En plus, c'est le chien, il court après. Il va avoir de la visite. Oh, Pat, t'as fini sa job. Tita, il s'en vient, Tita. Tita, il s'en vient. C'est le retour de Tita. Ah oui, ça va aller filmer ça. Hey, c'est froid d'un fesse ou chaud d'un culotte. Une bonne femme qui se promène en raquette, elle a eu peur. Oh oui, un petit jaune. Lui, c'est un jaune. Oui. Ça le passe-tu? Merci. Fin de semaine, c'est le festival du brochet en Estie. On a combien de poignées en fin de semaine? Une vingtaine? C'est pas mal, c'est pas mal. Correct, là. Aujourd'hui, ça mord pas comme hier. Donc, midi. Oui, Phil, elle a baissé l'avant-dernière. Ça mord. Wouhou! Est-ce qu'il va se bêcher, Phil? Ce serait drôle, moi, que les pattes y partent. Ça mord-tu, Phil? Non. Non. Ah, qu'est-ce qu'on fait quand ça mord pas? On attend. On boit de la bière. On mange des sandwichs. On boit de l'eau. Ah, fais-tu une bière? Non. On le dira pas à ta mère. Ouais. Oui? On le dira pas. On va faire un film, mais on le dira pas, on va le mettre dans le film. Ouais. De toute façon, on les écoute pas pareil. Ouais. Ouais, Phil, tu te payes la traite quand ta mère est pas là? Ouais. Oh, mais non, c'est une blague. Plus ça change, plus c'est pareil. Félix est entré dans Dani. Brochet! C'est le plus grand ami! Aujourd'hui, c'est... Oui, c'est bon! Oui, c'est
Ça mord pas. Hey, c'est moi qui cours après les rats. On doit avoir facilement là, entre 20 et une vingtaine de brochets. Dans la fin de semaine. Dans la fin de semaine. Ah ouais. Ça doit être le fun en crise, pareil. Ah oui, ça doit être trippant. Le plus petit brochet à vide. Écoute... C'est pas gros, là. Ah? Je pense qu'on va continuer à boire de la bière, hein? Qu'est-ce que tu fais, les culottes à terre, encore? C'est pas ça d'être mal pris de même, avec rien. Ouais, mais achetez-moi une bonne soupe. Ouais, c'est de la faute de tes parents s'ils t'achètent des soupes de marde. Hein? Achetez-moi une bonne soupe. Des soupes de l'or à gauche, on va appeler la DPJ. On va appeler la DPJ. Ouais. Il est martyrisé, cet enfant-là. Hey, ils mettent moins ses bâtons de hockey et ils mettent plus ses culottes. Hein? Ouais, c'est vrai, ça. C'est bon, ça. Deux bâtons de hockey puis tu payes une culotte. Ton père s'est tellement ruiné, ses bâtons de hockey. Est-ce qu'il est plus capable de te payer une soude qui a de l'allure? C'est le combientième, tu penses? Je peux en le donner. Écoute, on doit en avoir facilement. On a donné 4 à Bobette, on a 2. Ah oui, tu l'as en plus. On est même plus surpris quand on pogne des brochets. On a pogné tellement en fin de semaine. Une trentaine. Ah ouais, entre 20 et 25, facile. Il te ressemble, tu trouves-tu? Ah, c'est sûr. Bonsoir, elle est partie. Quoi-tu? Elle est partie! Bon, ben Phil, t'as pas pogné ton monstre. Ça n'a pas été mordu aujourd'hui. Du petit brochet. Beaucoup de petits brochets. Félix, je les mets là puis tu vas les ramasser. Mais je pense que tout le monde, on n'a pas fait une grosse pêche, mais on a pas mal tout pogné. Des bons coups de soleil puis une coupe de bière dans le corps. Une coupe de bière dans le corps. Donc, pas mal tout ce qu'on a pogné aujourd'hui. Pour vrai, tu manges pas pour vrai, André? Oh. Ah ouais, gagné pour 10 piastres. Hey, pas les deux pour 10 piastres, là. Phil, t'embarques-tu le skidoo pour revenir? Hein? T'embarques-tu le skidoo pour revenir? Ouais. On m'attache. Donc aujourd'hui, on a passé une vraiment belle journée sur la pêche. Hier, il faisait 3 degrés, on était vraiment bien, mais aujourd'hui, il faisait 6 avec un soleil qui tapait encore plus fort. On a tous attrapé des coups de soleil, mais c'était vraiment une belle journée. On a attrapé beaucoup de brochets, pas beaucoup de dorés. Phoenix a été toujours aussi drôle. La seule chose qui est plate un peu, c'est que c'est dimanche, puis demain, on recommence à travailler. Mais si on veut s'amuser, bien, on n'a pas le choix de travailler puis de gagner des sous. Donc, on va aller travailler, puis on va apprécier les petits moments qu'on a passés là, en fin de semaine. Donc, vraiment belle
belle fin de semaine.